Ne vous précipitez pas trop si toutefois vous avez prévu d'aller faire du ski dans les stations de sport d'hiver. Car il neige sur notre région, il neige sur Valette, sur Clisson et dans le canton. Premier flocon dès ce début de semaine, ça se refroidit dans le vignoble. On parle déjà de la rentrée scolaire 2012 un peu partout et à Clisson comme ailleurs où les inscriptions scolaires ont commencé. Ainsi, pour la prochaine rentrée, le collège Caco attend des élèves de CM2 et de 6e pour septembre prochain. Il a du reste ouvert ses portes aux parents d'élèves et aux futurs parents d'élèves en compagnie des professeurs de l'établissement. Un autre établissement scolaire de la ville organise de son côté une opération porte ouverte dans le collège privé, celui-là, de l'Immaculée Conception. C'est pour ce samedi 4 février à partir de 9h. Le public fera connaissance avec les équipements, les activités de loisirs et aussi le coût de l'établissement. Pourtant, la rentrée scolaire pose quelques difficultés à la région des Pays de la Loire qui s'inquiète du nombre croissant des élèves et du nombre décroissant des enseignants. On écoute à ce sujet Mathieu Orphelin, qui a en charge à la région le secteur de l'éducation et de l'école. La rentrée 2012 s'annonce très mauvaise en termes de moyens affectés par l'État. L'État continue son travail de sape, l'État continue avec son dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Ça s'applique aux enseignants. Et donc encore une fois, au niveau national, on va perdre 14 000 postes d'enseignants à la rentrée 2012. L'État vient d'abattre ses cartes et d'annoncer ses suppressions. Et dans la région Pays de la Loire, on est très touché. On a pratiquement 2000 élèves en plus dans l'ensemble des établissements de la région, sur les 5 départements. Malgré ça, l'État va supprimer 235 postes de professeurs dans la région pour la rentrée prochaine. Et puis, ce petit rappel utile à Clisson toujours, pour les enfants scolarisés au groupe scolaire Jacques Prévert, école maternelle et école élémentaire, la mairie de Clisson rappelle que la campagne d'inscription scolaire pour l'année 2012-2013 est ouverte toute l'année. Et ceci vaut pour les enfants nés en 2009. Elle est automatique en revanche pour les enfants déjà inscrits l'année dernière à Clisson. La société MC France, installée à Clisson depuis longtemps, va déménager. Destination La Vendée, sur la commune de Cugand. Il est vrai que le voyage n'est pas bien loin, Cugand étant en quelque sorte la frontière avec la Loire-Atlantique et Clisson. MC France, spécialiste des menuiseries, va donc changer de commune. Elle va quitter la zone de Tabary pour gagner celle du Bordage. La Vendée aurait été plus réactive selon MC France, qui cherchait une quinzaine d'hectares pour s'installer dans de nouveaux bâtiments. Au passage, ce seront 28 millions d'euros qui seront investis dans l'opération. Si vous aimez le festival Hellfest et si vous avez un petit coin à louer ou à prêter, vous pouvez héberger des personnes venues assister au festival de musique extrême. Ce sont en effet 30 000 personnes qui arrivent en juin dans la ville de Clisson. Et il faut trouver 15 000 possibilités d'hébergement pour l'occasion. Pour faire face à cette surpopulation provisoire, les organisateurs du Hellfest, comme les auteurs et acteurs du tourisme clissonnais, lancent un appel dans tout le vignoble et même au-delà. Les personnes intéressées pour cet hébergement de festivaliers peuvent se renseigner à la mairie de Clisson qui reçoit les propositions des hébergeurs potentiels. Restons festifs pour dire un petit mot sur le CEP Party, 9e édition de cet autre festival pour jeunes publics et tout public, qui propose 9 spectacles dans tout le vignoble nantais.
à Valette par exemple vendredi 3 février, à Saint-Julien-de-Concel samedi 4 février, à Vertou dimanche 5 février et à Haute-Goulême mercredi 8 février pour les principaux spectacles. À Montaigu, à la Maison de la Presse, un auteur vendéen, Alain Perrochot, présentait et signait son dernier livre, Les Mémoires d'Adrienne, paru aux éditions Durand-Pérol. C'est un roman historique qui se déroule au cours de la Révolution française. L'auteur, qui est aussi le maire d'une commune de Vendée, signe là son 7e ouvrage, en attendant le 8e en préparation. Et votre héros est un journaliste, décidément on n'en sort pas, il y en a partout. Et il est révolutionnaire, donc pour les idées nouvelles, néanmoins il est emprisonné. Et sans trop dévoiler l'intrigue, on s'apercevra au bout d'un long cheminement dans le livre qu'il n'a pas été emprisonné pour des raisons politiques et d'idées, mais sur une délation d'une origine tout autre.